Hi, welcome to Quebec Homestead. I'm Mallory, and today I'm going to show you everything you need to process your chickens at home, all the tools that I use, how I set myself up. But first, I want you to meet somebody. Allô? I'm Malo. I make a French video on my French channel, Malo à la ferme. Today, I really want to show you my chicken setup. I just have not had time to edit because I'm just so tired, eh? So I hope you enjoy this video. Thank you, Tori, for the idea, for dropping the video in French with subtitle, and I hope you enjoy. Donc voilà, je vous montre mon setup. Les poulets, ils ont juste environ 9 semaines et puis ils sont pas mal prêts parce qu'ils commencent à être gros. Lui, il est malade, on ne le mangera pas. Tu vois sa crête, comment elle est plus pâle. Ses pieds sont recourbés. Sa peau, elle est bleue. Donc lui, malheureusement, il ne se fera pas manger dans le congélateur. C'est ça. Quand la viande est bleue comme ça, là, il y a un problème. On ne veut pas manger ça. Donc, l'année prochaine, c'est sûr qu'on va essayer de les faire à l'extérieur plus. C'est juste que cette année, on n'a pas eu le temps de faire des poulaillers mobiles. Regarde-lui comment il est gros. Un gros poulet! Donc ici, c'est les cônes qu'on utilise pour l'abattage. On met le sang dans les bocaux ici. On met de l'eau dans le fond pour pas que le sang colle dans le fond. C'est plus facile à nettoyer. Une fois que ça c'est fait, ça prend environ 3 minutes là, à saigner un poulet. Mais tu peux... Even, là, des fois, c'est un peu dur à... On va y citer, là. Ouais. Là, là, tu peux couper. Vas-y. On va donner un galon à 62. Ça a belle allure. Dans le fond, ce que tu fais, c'est pas compliqué bien, là. Faut voir, ça se fait tout seul. T'es capable de le pousser jusqu'à temps que les rognons ici aillent dans l'eau. Puis tu mets pas, t'as même pas besoin de mettre les bras dans l'eau. Je fais ça à peu près une minute et demie. On la rentre, on la ressort comme ça, les. Les plumes, c'est. C'est ça, les plumes. L'eau va partout dans les plumes. Là. Puis tu sais, normalement, ici, les ailes, là. C'est là que c'est le plus dur. Fait que quand les. Ça, il est pas chaud à 65. Plus... C'est pas brûlant, là. Tu peux mettre les doigts dedans, c'est chaud, mais. Ouais, j'ai pas encore fait le thermomètre sur non, 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 pas à ce point-là, là. Mais au pire, on reprendra le tien, puis. Ouais. T'as flop. Bon, on va prendre le tien, on va le mettre ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on va essayer qu'il arrive pas mal. Fait que là, je l'essayerai, parce que, tu sais, c'est quand même pas mal. Le croupion aussi, là. Le croupion, c'est le plus dur aussi, là. Mais ça, des fois, on finit qu'on les enlève à. Dans la main pareille. Ouais, main, le croupion. Puis après ça. On les met dans la plumeuse, juste ici. Ça va être plein de... Là, mais dans le fond, on le part. Et on l'a... I had to do it. I'm sorry. On envoie la tête, on l'arrose tranquillement. Quand on l'arrose, on va voir... Y a-t-il un autre jet, quelque chose? Ouais. Là, mais tu peux que les plumes, ils partent... Une fois de temps en temps, faut pas que tu l'arrêtes, puis tu la retournes de l'autre bord, là. Okay. Parce que des fois, il va tout le temps tourner dans le même sens. Là. Je l'arrose un peu. Quand tu vois qu'il ne reste pas grand-chose, ben, tu peux l'arrêter. Là. Il est déjà quand même pas si pire. Là. Mais tu vois, il en reste quelques-unes ici. C'est magique, ça part tout seul. Mais tu sais, la température avait de l'allure, la peau est restée belle, puis tu sais, il est prêt. Il est quand même pas pire. Là. Okay. Donc là, de tes plumes s'en vont là-dedans, toute l'eau va couler ici. Les plumes vont aller dans le jardin. Qu'est-ce qu'on a besoin d'une station de coupage? Bon. Là, je suis en train de désinfecter mes affaires. J'ai des cutters pour couper la tête. C'est juste des choses de jardin. Des bons couteaux très aiguisés. Et puis, j'ai mon bloc ici pour aiguiser toutes mes affaires. Un lavabo, une source d'eau pour bien rincer, un bac pour mettre tous les entrailles qu'on garde et un bac pour mettre tout ce qu'on garde pas. Donc ça ici, c'est notre station. Ensuite,
on s'en va mettre ça dans le bac d'eau glacée pour qu'il garde, il reste bien au froid. Parce que c'est sûr que nous autres, on va être deux ou trois aux stations de coupage. Je vais mettre une nappe sur la table et puis j'ai des sacs faits spécialement pour vraiment entourer et congeler le poulet. Okay, j'en garde 10 pour mettre en poitrine. C'est mon gimbal qui manque de batterie. Hier, je l'ai pas rechargé assez longtemps. J'ai l'impression qu'on avait fait ça comme faux. Fais les cours. Les gars. Parce qu'on les pèse, on les met dans le frigo. Puis ça, c'est bien important qu'ils restent toujours froids. Parce que si tu les mets dans le frigidaire puis qu'ils se sont réchauffés un peu, la température du frigo va monter puis avoir de la misère à garder sa fraîcheur. Donc ça, c'est pas bon pour la viande. Dans l'eau un petit peu trop longtemps pour sceller le sac, des fois ça peut comme cuire un peu. Fait qu'eux autres, je les mets de côté, je les congèle pas, je vais les transférer en poitrine puis en cuisse et puis faire ça de même en format individuel avec ma selleuse. Bon, donc tout est fait. Tout est mis dans les sacs. Et puis, les sacs, si vous voulez savoir c'est lesquels que j'ai pris, j'ai mis la description en bas, dans la description. C'est mon lien affilié à Amazon. Donc, si vous achetez de là, ça me donne une petite partie. Puis, ça l'encourage ma chaîne. Tous les profits vont sur la ferme pour nous aider à améliorer cette belle place-là. Donc, c'est ça. On a terminé pour la journée. Demain, puis la journée après, j'attends juste mes sacs de rechange pour ma selleuse sous vide. Et puis là, je vais mettre ça en poitrine, en cuisse et tout ça. Il y en a juste deux dans le batch qu'on a jeté, qu'on a dit on mangera pas parce qu'il était bleu puis il était, bon, il était pas trop appétissant, là. Puis il y en avait un avec le foie, là, vraiment, tu vois, qui combattait quelque chose, là. Fait que les autres, on les a mis de côté. Je peux vous montrer une photo du foie, là, si vous voulez, là. C'était vraiment étrange, là. Donc, ça a pris à peu près 4 heures pour faire tous nos poulets. Puis après ça, on les a scellés, là, après le dîner. Fait que c'était pas trop pire, là. C'est ça! Je suis bien contente.